rapidement vers le haut pour les autres mini-jeux. Vite, facteur. Ah, ce jeu, c'est dans Mario Party 6. Ça, je me trompe pas, je suis sûr et certain que c'est dans 6. Voilà. Ah oui, il fallait se déplacer, ramasser les lettres et les donner au facteur. Ramasser les lettres et donner au masquage facteur. Et en gros, lui, il faisait juste courir comme un débile défoncé partout. Genre, attrape ma lettre. Voilà, merci. Puis de temps en temps, il y avait une lettre d'amour qui donnait 3 points. Vite, merde. Lettre d'amour. Et où la lettre d'amour? Elle est ici. Ah, je l'ai eu. Fait qu'en gros, le truc vraiment de ce mini-jeu, c'est quand quelqu'un lui donne une lettre. Bon, là, on va laisser tomber la lettre d'amour. De toute façon, on l'a déjà une fois. Attends, il y en a une autre. Peut-être qu'on aura le temps. Oui! En gros, comme je vous dis, c'est quand quelqu'un qui donne une lettre, le masquage ne bouge pas pendant un certain temps. Et c'est le meilleur moment pour aller lui en donner une autre. Donc, en gros, faut juste que tu gardes dans ta tête. Si tu l'as pas du premier coup, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui va lui donner une lettre. Et tout le monde va être sauvé, tout le monde va être heureux. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok, donc prochain niveau, averse glacée. Ah, ce mini-jeu, il était quand même assez drôle. Je me souviens plus c'est dans lequel. Dans Mario Party 5. En gros, on est dans la tour de la liberté, mais de la crème glacée. La tour de la crème glacée, voilà. En gros, il y a des boules de crème glacée qui tombent. Et le but, c'est de faire le plus gros cornet au monde. Ça faisait bien rire, ce jeu, ce mini-jeu. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas d'autres boules de crème glacée qui tombent, merci. Hop. 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 Pas le temps de prendre l'autre. Hop. Merde. Ça pourrait être tellement drôle que ta crème glacée puisse tomber. En gros, si tu te déplaces de plus en plus, moins rapidement. Oh, j'en ai une autre de plus. Quand j'étais au fond, on la voit même plus. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. C'est ça, 8? Bon, de toute façon, elle était plus grande. Quand elle est plus grande, on compare par les... J'annule cette blague aussi. Cette blague était pas très très drôle. Pas très très recherchée. Donc, faut pas faire des blagues non recherchées. À compte courant, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je dois faire une pause inverse? Qu'est-ce qu'il me dit? Haut, bas, gauche, droite, se tourner dans une direction. Je comprends tellement pas. Ne vous tournez pas dans la direction des flèches indiquées. Ah, ok! Les flèches me montrent quelque chose, mais il faut que j'aille dans l'autre côté. C'est bon. Concentration. Parfait. Ça c'est what the fuck qu'il faut que tu fasses l'inverse de qu'est-ce qui te montre. Ton cerveau il compute tellement pas. Ton cerveau il se dit mais je dois faire quoi? L'inverse de qu'est-ce qui... Puis en plus les flèches sont pas au même endroit. Tu sais, mettons la flèche du bas est pas vers le bas. Mon cerveau a explosé. Explosion du cerveau. En gros, je vais me garder en tête le haut. Si le haut est pas bon, je fais la droite. Ça va, j'ai repris l'avance. Intense comme mini-jeu. Oh! Ça va de plus en plus vite, ça commence à me stresser. Stressé kawaii desume! Et le dernier, est-ce qu'on va l'avoir? Droite. C'est facile, lui. Ça va. Mon cerveau est en mode je suis complètement perdu, la gauche est rendue la droite et la droite est rendue la gauche, mais ça va. La société d'aujourd'hui est plus trop un problème, tu peux te dire que n'importe quoi et n'importe qui, donc bon. C'est pas dérangeant. Donc en fait, on a toujours pas fait un autre mini-jeu qu'on a fait. Ah ok, ça c'est le monde 2, 3, 2 et 3, 3. Ok, ça reste quand même... Ah ça c'était cool. Ça je me souviens, c'est convoi Bobomb, c'est ça? Donc en gros, faut juste appuyer ces boutons et ça jouer avec des amis, c'est littéralement amusant. En gros, tu dis avec ton ami, tu t'occupes des 3 boutons en bas, moi je m'occupe des 3 boutons en haut. Non mais, s'il te plaît, hop, hop, ouh. Non, ok, il y a une bonbon, faut vraiment que je sauve, c'est celle qui est ici. Parfait, c'est celle-là, celle qui est juste ici. Je veux pas la perdre, merde, je l'ai perdu. Oh, ils se font tellement défoncer. C'est le genre de jeu, tu peux tellement t'amuser avec un de tes amis que genre tu t'appuies tout le temps sur le bouton et t'attends juste qu'il arrête pas de s'y peser et tu fais juste comme j'y pèse, 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 pèse. En gros, tu peux le faire chier tout le temps comme ça. Bon, allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre par la suite?
Commande mystère, ça peut être rigolo. On va faire en premier le coup de mallet. Je sais pas ce que c'est en équipe de deux, mais j'ai pas trop remarqué c'était quoi. Appuie rapidement. Ok, ça va. Ah, ok, en gros, le marteau va aller vers une certaine direction. Frappe sur les boutons. Ok, il faut que je frappe le plus rapidement possible. Je pense que c'est la loose. J'aimais bien que, genre, Waluigi, pendant un certain temps, je sais pas si vous avez remarqué, mais genre, il y avait pas l'animation du marteau qui frappait. Il y avait juste comme l'animation en tant que telle de l'impact, mais le marteau il frappait juste pas. C'était magique. Magiquement magique. Magistral magique. On est rendu à 7 vies, ça m'étonne. Ça m'étonne qu'on ait gardé aussi autant de vies jusqu'à maintenant. Parfait. Donc on remonte par la suite ici. Carapace de choc, si j'ai jamais vu, c'est dans Mario Party 2. Non, c'est dans le 3. C'est dans le 3, il faut que tu défonces l'adversaire. Se déplacer, déplacement latéral, tirer vers le haut, tirer devant. C'est parti. Oh mais, s'il te plaît. Call of Duty Sniper. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de me tirer? À date, non. Parfait. Oh! Pou pou pou! Le KS que j'ai fait à la fin sur Peach, en mode genre, personne m'a visé. J'étais dans mon coin en mode genre... Piou, 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 piou. J'avais la paix quoi, y'a personne qui me dérangeait. Ça va bien quand y'a personne qui te dérange, genre, tu te dis... Ça va bien, pas de problème, on s'amuse, on a du fun. Commande mystère. Lol, MDR, y'a des commandes mystères. Ça je me souviens, c'est dans Mario Party 4, voilà. Et en gros, faut tout simplement prendre... qu'est-ce que la commande demande. Mémoriser l'emplacement des plats et préparer la commande demandée. C'est parti. Parfait, donc, pogo, pogo, ice cream, frites. 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 Pogo, pogo, pogo. Ice cream, ice cream, ice cream, ice cream. Hamburger, je sais pas, hamburger. Voilà, merci. Et ça va changer, ok. Frites, pogo, soupe, crème glacée. 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 Frites, 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 frites et pogo. Ça mon truc, en gros j'en retiens 4 qui sont différents. S'il y en a des collés, faut pas que je les prenne. Frites hamburger, pogo, crème glacée. 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 Soupe. De soupe, c'était un fake. Je l'avais mémorisé dans ma tête, mais je vous l'avais juste pas dit. Voilà. Je le disais pas à voix haute. C'est ma technique secrète. Voilà. Madbob a des conseils de pro. Vous allez pouvoir battre tous vos amis maintenant. Je vais faire des vidéos astuces comment battre les gens à Mario Party. Ça serait un clickbait total. Non, non, je vais pas recommencer. Ok, ok. Un jeu pour moi. Merci. Merci de mettre ce mini-jeu. Celui-là, il est trop bien. En gros, c'est le jeu de hockey, tout simplement. Hop. Bon, ça commence bien. Ça commence très bien. Tactique. Tactique de pro. Tactique encore plus de pro. Non, mais... Rosalina, s'il te plaît. On peut pas perdre. We cannot lose this game. J'aime mieux être le gardien de but, parce que le gardien de but, j'ai l'impression de faire plus d'efforts qu'il faut pour faire les arrêts. Non, 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 non. Ok, le point décisif. Le point incisif. Le point incisif. Ouh. Non, 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 putain. Pourquoi je peux pas être en arrière? Pourquoi je peux pas échanger une manette avec le computer et faire genre hop, je prends ta manette, je la contrôle. En plus c'est le jeu que je suis obligé de faire. Non, ok, on est pas obligé de le faire. On va faire... J'ai pas vu c'est quoi le mini-jeu, juste vu la bonne... quelque chose? La bonne porte. Ce mini-jeu est quand même assez rigolo. Indiquez rapidement par quelle porte le personnage choisi a été dit. Donc en gros, faut que je me souvienne des personnages. Ok. Todd Y. Goomba Koopa. Todd Goomba Koopa. Todd Goomba Koopa. C'était rapide ça quand même. J'ai hâte de voir mon temps. 39 centièmes. Quand même, c'est étonnant. J'ai vraiment été rapide quand même là-dessus. Ça m'étonne. De toute façon, si ça avait été le Koopa. Si ça avait été le Koopa plutôt. Ça aurait fait dans ma tête genre Todd, non, Goomba, non, Koopa, parfait. C'est ça que ça aurait fait, puis ça aurait pris trop de temps.
Là, je parle le jeu du hockey. C'est quand même mon sport national. C'est quand même le sport national de tout Canadien. C'est les seules fois que vous allez m'entendre dire Canadien. Hein. Je dis ça, mais c'est le seul moment que vous allez m'entendre. Je peux pas être en arrière, froid. J'aurais bien être en arrière. J'étais sûr qu'on avait fait un but en plus. Bon, enfin un point. Enfin un autre point. J'aurais tellement envie qu'elle serait rentrée pour aucune raison. Ce 3-0, littéralement explosé l'équipe adverse. J'ai pris l'équipe. C'était nul. J'avais pas d'idée à quoi vous dire. Donc on va pouvoir aller dans les tuyaux, je sais pas ce que ça donne en tant que tel, on va y aller. Après notre victoire de 3 étoiles, mais 3 mini étoiles, 3-0 comme 3 mini étoiles. Hop. Oh, on dirait que Daisy veut se mesurer à vous. Vous allez devoir l'affronter en duel et remporter la victoire, vous allez continuer à avancer. Samba Koopa, j'ai aucune idée c'est quoi ça. Samba Koopa, on doit danser la samba. Dans Mario Party 4, t'as cligné la console pour faire rentrer. Ok, bon, faut que je fasse rentrer les carapaces dans les trous. Parfait, une réussite. Hop. Oh merde. Oh merde. Ah, ah. Oh wow wow wow. Daisy, Daisy, tu te calmes. Tu te calmes tout de suite. Non, s'il te plaît, rentre dans le trou. Oui. Fou. J'ai eu peur. Vraiment, le deuxième, Daisy, elle l'a fait genre comme ça. Genre, j'ai rien compris. Elle l'a fait tellement rapidement, ça m'a complètement perturbé. J'étais quasiment en PLS en mode genre, mais qu'est-ce qui va se passer? Genre, j'ai peur de la vie, quoi. Mais bon, ça va, on va rentrer dans le tuyau. Je pense que ça va déverrouiller une partie de la porte. Peut-être pas au complet, mais une partie de la porte. Hop, monde 3-2 est terminé. Parfait. Et le monde 3-3 est terminé aussi, de toute façon. Bien joué, Waluigi, vous êtes une vraie terreur. Quand tu vas jouer, tu vas fermer ta gueule, espèce de Toad. Ok.